Genre là, c'est bon, là, c'est la présentation de ma moto. Ça y est. Putain. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de ma nouvelle moto. Donc, j'ai acheté un Tracer 9 2022, 0 km, tout neuf, sorti de concession chez Yamaha. Donc, comme vous le savez, j'ai hésité entre pas mal de bécanes. Donc, il y avait quoi? Il y avait GS. Il y avait S1000 XR, R1, et c'est tout, hein, je crois. Hein. C'est tout. Et après, le 9, le Tracer 9 ou le 9 GT. On reviendra plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai pas pris le 9 GT. Mais en tout cas, j'ai pris ça, les gars. Donc, en vrai, je sais même pas quoi dire. Je te jure. Les gars, pour être honnête, je suis fatigué. On est quoi? On est le 6. On est le 6, là. On est le 6 mai. Ouais, le 6 maintenant. On est le 6 mai. On est le samedi, mais il est 1h du matin. Et j'ai enfin récupéré la bête, elle est sortie de peinture, elle est sortie de chez T-Max Lover, etc. Donc voilà, j'ai pris cette bécane. Alors pourquoi j'ai pas pris autre chose? En vrai de vrai, j'ai hésité. Enfin non, en vrai, j'ai hésité avec rien du tout, parce que c'était une question de budget. En top 1, c'était le Tracer. Juste derrière, si vraiment j'avais l'argent illimité, j'aurais pris un S1000 XR. Parce que vraiment, le S1000 XR, c'était la folie, c'était un truc de fou. J'ai vraiment kiffé cette bécane. Le GS, j'ai un problème avec le GS. Je kiffe l'esthétique de la bécane. Elle est imposante, elle est statutaire, elle est tout ce que tu veux. T'as vu, quand tu roules en GS, t'es quelqu'un. Mais en termes de sensation, les rares fois où j'ai pu essayer le GS, j'ai pas eu de coup de cœur, tu vois. Donc on verra peut-être plus tard pour le GS. Peut-être que le 1300 aura de meilleures performances, etc. Ensuite, il y avait le R1, frérot. Parce que je suis avec mon pote derrière, vous le voyez pas, mais je suis avec mon pote. Il y avait le R1 que je voulais aussi à la base. Pendant 2-3 mois, je faisais que de te parler du R1. R1, R1, R1. Ouais, top 2. En vrai, il y avait 9 GT, enfin un Tracer 9, Tracer 9 GT, R1 et S1000 XR. C'était vraiment les trois qui me faisaient de l'œil. Mais comme vous le savez, c'est une question de budget. J'avais un budget de, vas-y, on va dire entre 14 et 16 000 euros, vraiment 16 000 euros, c'était le max. Donc le R1, configuré comme j'aurais voulu, on était sur une tranche de prix entre 15 et 20. D'occasion 15 avec un peu de kilomètres, et si tu pars sur du 9, tu es à 20, 21, 22 si jamais tu l'optionnes, etc. Et le S1000 XR, c'est beaucoup plus cher, tout noir, carbone, comme le frérot Anis là, ou Tom Tobike, et du coup maintenant, on est sur des prix de, ah, je sais pas combien, 23, 24. 23, 24, 25, donc c'est largement hors budget, en tout cas pour le moment. Donc, je me suis rabattu sur ce petit Tracer 9, les gars, qui m'a coûté 12 000 euros. 12 000 euros. Tracer 9, 9. Tracer 9, normal. Donc, 12 000 balles, frais de mise en route, là, carte grise, etc. Bonsoir. On vous dérange pas, là, monsieur, sur le... C'est bon, c'est carré. OK. Du coup, 12 000 euros, tout neuf, 0 km, ça fait 15 fois que je le dis. Et on l'a récupéré au Mans. Hein. Au Mans, il y a quoi? Il y a un mois, on a fait la route au Mans. De base, il y a une vidéo qui va sortir bientôt aussi. Le vlog, ouais, un long vlog qui va durer 1 heure carrément. Sérieux? Ouais, 1 heure. Je te promets, 1 heure. 1 heure dans ce vlog-là, il y aura la bécane, donc on va la chercher au Mans. Il y aura la préparation chez T-Max Lover, la peinture, etc. La baroude, enfin, il y aura tellement de choses. Il y aura tout, en fait, toute la préparation. Ah oui, du coup... De base, je voulais prendre un Tracer 9 GT que j'avais repéré sur Yamaha Occasion. Un Tracer 9 GT rouge qui coûtait 13 000 euros. 13 500, je crois. Avec des bornes. Avec des bornes. Donc 13 500, ça va, c'était un bon prix. Il avait 3 000 euros. Il avait 3 000 bornes. Sauf que le problème, c'est que quand je suis arrivé là-bas, enfin quand on est arrivé chez Yamaha, il avait, je crois, 7 000 bornes. C'est-à-dire qu'entre l'annonce et la réalité, il y avait 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 4 000 bornes de différence. Donc je l'ai quand même essayé, mais je me suis dit, ah, bizarre un peu. Et du coup, on a croisé, enfin on a vu un Tracer 9 normal camo, parce que de base, c'est le Tech Camo celui-ci, le modèle 2022. Il était posé là comme ça chez Yamaha. Coup de cœur. Coup de cœur, on faisait que de le regarder. Et ensuite, on a regardé un peu au niveau des options, donc au niveau du shifter, au niveau de la ligne Acra, si c'était plus intéressant de partir sur du 9 plutôt que de l'occasion récent, on va dire. Enfin récent, je dis récent, mais le Tracer 9 GT rouge, c'était un modèle 2021 et il était plus garanti. Enfin, il lui restait quoi, 3-4 mois de garantie jusqu'en juin 2023. Donc, c'était mort. Et en parlant de garantie, d'ailleurs, les gars, j'ai eu une galère de fou furieux sur le T-Max. Vous verrez très bientôt. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis reparti sur du neuf pour avoir 2 ans de garantie. Et au moins, je n'aurai pas de soucis avec ça. Hein? Ils sont pas au courant encore, ils sont pas au courant. La vidéo, elle sort dans 2 vidéos, le T-Max. C'est une dinguerie. Quoi vous dire de plus? Donc en fait, ouais, c'était une question de budget. Hein. Vraiment, le Tracer,
je pense qu'il n'y a pas mieux en termes de transition entre le A2 et le A. À chaque fois, on dit ça, mais c'est vrai, en vrai de vrai. Et du coup, tout à l'heure, on parlait, on discutait, et on voit vraiment la différence entre la puissance d'une bécane A2 et A. Et encore, moi, j'étais sur un T-Max. Mais là, quand vous mettez le mode 1, quand vous mettez poignée dans l'angle, c'est trop. C'est beaucoup trop, et tu sens vraiment que tu peux pas donner ça à un petit mec excité en permis A2, c'est impossible. Donc là, je vais vous montrer, je vais repasser derrière la caméra, je vais vous montrer un peu la configuration avec toutes les options que j'ai rajoutées dessus. Et puis voilà, je repasse derrière la caméra, c'est parti. Du coup les gars, je vous présente ma nouvelle moto. Là, c'est vraiment officiel. Je sais que j'ai mis du temps pour la présenter, mais comme c'est quoi le dicton déjà? Plus c'est long, mieux c'est ça? Et le dicton, il est éclaté. Je vais vous montrer un peu les options que j'ai rajoutées dessus. Alors déjà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le coloris de base, on est sur du Tech Camo. Donc exactement comme le Tracer 9 normal que j'avais filmé juste après la vente de mon T-Max. On est exactement sur la même configuration. Et j'ai décidé de faire un coloris full black, vraiment tout noir. Noir brillant, noir mat, avec tous les détails en rouge. Et on va peut-être commencer par la face avant. Avec une bulle Air Max, donc la même bulle que le Tracer 9 GT que j'avais filmé au tout départ, celui d'Anis. C'est d'ailleurs grâce à cette vidéo, et c'est d'ailleurs grâce à cet essai, que je me suis aussi penché sur le Tracer, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur de fou le jour où je l'ai essayé. Et pour la petite anecdote, 2 semaines avant l'essai du 9 GT, j'avais essayé le Tracer 900 GT 2020, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de NA2S Biker. Et pour vous dire, je ne savais même pas comment utiliser le shifter. C'est-à-dire que dans la vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, je voulais qu'il y ait le bruit, tu sais, le bruit au passage de rapport. Et je faisais ça, genre, je ne savais même pas utiliser le shifter. Du coup, j'ai corrigé ça dans la vidéo du Tracer 9 GT d'Anis. Et là, c'était coup de cœur, j'ai vraiment kiffé l'esthétique, la conduite, le fait que la bécane elle soit simple d'utilisation, la prise en main, le fait que tu sois en hauteur, etc. J'ai vraiment kiffé. Donc, coloris noir, bulle Air Max, ok, donc là, j'ai pas touché. Donc, qu'est-ce qui a été peint en noir? On a les écopes ici, donc c'est du noir brillant, je sais pas si vous allez le voir. Alors, c'est pas du noir brillant, totalement brillant, on est sur du noir foncé, genre, je sais pas comment vous dire. Ça reste du noir brillant, mais on n'est pas comme sur la couleur du T-Max vert, je sais pas si vous vous rappelez. Le T-Max vert, vraiment, la peinture, elle était éclatante et le brillant, il ressortait très très bien. Là, on est plutôt sur un noir classique, comme on peut retrouver partout sur des bécanes standard, quoi. Donc, on a fait peindre aussi le garde-boue. On a gardé le logo Yamaha en noir mat. On a la petite signature lumineuse ici à l'avant. Alors, sur la version normale, on n'a pas les feux directionnels. Et esthétiquement, ça change aussi, puisque je crois que sur la 9 GT, on a des sortes de cristaux qui, esthétiquement, sont légèrement plus beaux, tu vois. Mais ça reste un détail. Ensuite, on a fait passer le réservoir aussi en or brillant. Donc, cette partie-là, tout ça, ici, jusqu'ici, tout ça, toute cette partie-là, donc, la face arrière, ça vient recouvrir le feu. Cette partie-là, on l'a mis en noir mat. Je voulais pas la mettre en noir brillant, puisqu'après, ça allait faire trop. Tu vois, je voulais couper un peu. Je voulais couper le truc. Et on a aussi le dessous du Tracer en or brillant. Magnifique. Donc là, support de plaque court avec la petite plaque Tema SLR personnalisée, dédicace à Camille, on l'a choisi ensemble. Feu arrière LED plus, tac, donc Yamaha. Donc ça les gars, c'est la maladie des traceurs, je crois. Même sur les MT-07, hein. Ouais. C'est fragile de ouf et apparemment, dans 3 semaines, soit ça va tomber, soit il y en a un des deux qui va cesser de fonctionner. Donc, on verra bien. J'ai choisi des clignotants d'origine Yamaha. Donc, j'espère quand même qu'ils vont tenir la route. Tu vois. Bien évidemment, pas de top case. Voilà, team sans top case. Sauf si je pars en road trip, j'ai n'importe quoi dans le sud, à Nice, à Marseille ou quoi. Peut-être que si je me tape un délire, je mettrai les valises. Ensuite, sur le côté, on a fait repeindre la petite platine ici, en noir. De base, c'est couleur alu. Le repose-pied pour le passager, en noir époxy. Tac, bam. Les petites chaussettes qui font la différence. Akrapovic, que j'ai acheté sur eBay pour la modique somme de 5 euros l'unité. J'ai reçu ça en 5 jours. Franchement, c'était très rapide. Je ne savais même pas que eBay existait encore, frérot. Ligne Akrapovic complète. Racing non homologué,
que j'ai payé 1031 euros exactement chez Tech de Roux, les gars. Donc n'hésitez vraiment pas à aller chez eux. J'ai reçu la ligne en 5 jours. Donc vous commandez sur le site internet et vous avez 3 possibilités. Soit vous allez récupérer la ligne directement chez eux en commandant sur internet. Donc ils ont un entrepôt à Dreux où vous pouvez récupérer directement vos commandes. Ou alors, putain, je suis essoufflé. Ou alors vous, vous vous faites livrer directement chez vous ou dans un point relais, frérot. Et franchement, le bruit de la ligne, incroyable. Au début, je vous cache pas que ça faisait 2-3 mois que j'avais pas roulé en bécane et je vous cache pas que ça faisait beaucoup, beaucoup trop de bruit au début, même avec la chicane. Hein. J'ai pas retiré la chicane. Mais là, la chicane, vraiment, c'est que de l'esthétique. Si t'enlèves la chicane, oui, ça fait plus de bruit. Mais même avec la chicane, au début, je trouvais que c'était beaucoup trop, tu vois. J'avais mal à la tête, j'avais limite des acouphènes. Mais là, je me suis habitué et ça va mieux. Les jantes, elles étaient déjà en noir brillant, donc heureusement. Ici, un détail très important, on a le 9 du traceur en rouge pour faire un rappel avec les chaussettes. Les chaussettes là-bas et le logo de la ligne Accra. On a la bande grise d'origine qui a été repeinte, donc comme à l'origine. Et on a le traceur qui vient comme ça en or brillant, qui n'a pas été rajouté. C'est vraiment la carrosserie qui a juste derrière le bandeau gris, tu vois. Et franchement, ça a été fait très, 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 très bien. Et ça rend la bécane. Vous voyez le petit neuf, ça change tout, tu vois. Si j'avais mis un neuf en noir mat ou en or brillant, la bécane, elle aurait été fade, tu vois. Là, franchement, ça passe crème. Et puis voilà, on a aussi teinté les feux à l'avant, ici, légèrement. Alors, je voulais teinter les feux, les clignotants. Désolé, je suis fatigué, je vous cache pas, je suis éclaté. De base, je voulais aussi teinter les feux, mais j'ai pas eu le temps chez Alex Vatos Locos. Le tube de fourche, heureusement, il était déjà en noir. Et puis, voilà, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Ah ouais, non, je suis un ouf. Comment ça s'appelle, ça? Levier de frein. Levier de frein Gilles Tooling, les gars. Donc, j'ai acheté ça chez Yam Paris 15. On a fait aussi le guidon en noir époxy. De base, la couleur du guidon, là, elle est exactement comme ça, en gris alu. Donc là, quand vous regardez la face avant, bam, tout est noir. Avec la chaussette Accra, la bulle noire, les leviers de frein gauche-droite en noir, le guidon en noir, les rétros, ça, j'ai pas touché. Et les pare-mains qui sont là, déjà, de base, d'origine. J'ai pas mis de sel personnalisé, tout simplement parce que j'ai pas, ni le temps, ni l'argent, frérot. Mais j'aimerais bien faire une selle un peu personnalisée, en mode 360, comme j'avais fait un peu avec le T-Max. Mais bon, ça c'est en projet. Je le ferai peut-être d'ici cet été, je pense, chez SQP Motors. Maintenant, on va parler des défauts du Tracer 9. Et encore là, je vais vous donner les défauts à chaud ou à froid, non. Ouais, à chaud, en sachant que la bécane est encore en rodage, donc j'apprends encore à la connaître. Elle a exactement, attendez, je vous fais un zoom, 843 km. Donc dans quelques kilomètres, je vais devoir faire la révision des 1000 chez Yamaha. Et donc pour vous parler un peu des défauts, déjà pour moi, le premier défaut, Tracer, et il y en a pas mal, c'est la clé. On est sur une clé. Moi qui étais habitué au T-Max, avec la clé donc, que tu mettais dans ta poche, tu descends dans le garage, tu pars directement, tu te casses pas la tête. Là, le peu de fois où j'ai pris la bécane, sur les 7 ou 8 fois où j'ai pris la bécane, j'ai oublié la clé au moins 15 fois. C'est-à-dire, j'arrive à destination, tac, je l'éteins et je pars, tu vois. Et après, je me dis, mais elles sont mes clés? Et je reviens ici et j'oublie mes clés. Dites-moi dans les commentaires si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous, mais il faut vraiment que je reste concentré et il faut pas que j'oublie les clés en sachant qu'il y en a deux. Donc celle-là, une autre et la clé rouge. Et voilà, pour moi, c'est un petit défaut. Mais bon, ça reste un détail. Deuxième défaut, très important. Je pense que tous ceux qui sont propriétaires de Tracer seront d'accord avec moi. Parmi toutes les bécanes que j'ai filmées, cette celle-là, ma bécane, ma moto, c'est la plus inconfortable. C'est abusé. On est sur une selle en pierre, là, elle est en marbre, la selle. En fait, elle est tellement dure. Elle est mal dessinée, en fait. Et il n'y a pas de mousse, c'est un bout de bois et vraiment, elle est très, très, très inconfortable malgré le fait qu'on est bien au niveau de la position, on est en hauteur, on domine la route, etc. Mais la selle, vraiment, elle est vraiment inconfortable. Encore la selle du passager, ça va, mais vraiment la selle du conducteur, vraiment au niveau des deux boules, tu vois, ici, c'est trop. Vraiment, ça fait mal aux fesses à force. Quoi d'autre comme défaut? Alors, avant de vous donner d'autres défauts, j'oublie carrément, j'ai rajouté le shifter. Ça, c'est le premier truc que j'ai rajouté. Shifter up and down. Donc, vous passez les vitesses comme ça à la volée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Et voilà, c'est magnifique, shifter obligatoire. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme défaut sur la bécane? La puissance, c'est incroyable, ça, il n'y a rien à dire. Alors, les suspensions pilotées, je ne les ai pas sur celle-là. Moi, n'étant pas un pilote, je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose en termes de ressenti, de conduite, etc. sur la route. Dites-moi si vraiment il y a une différence. Je n'ai pas les poignées chauffantes sur la version normale. Franchement, même sur le T-Max, j'avais les poignées chauffantes, mais je ne les sentais pas vraiment. Donc voilà, ce n'était pas quelque chose pour moi qui m'intéressait. Les suspensions pilotées, pareil, ce n'était pas un truc qui m'intéressait, sur la GT en tout cas. Les valises, j'en voulais pas. Les feux directionnels, en vrai de vrai, tu ne calcules pas non plus. Et je crois que c'est tout pour les options de la GT. Donc en réalité, la seule option qui était vraiment intéressante d'origine, de base, sortie de concession sur le Tracer, c'était le shift sur le Tracer 9 GT, c'était le shifter. Et en termes de rapport qualité-prix, je l'ai eu à 12 000. J'ai juste rajouté le shifter et j'ai fait ma peinture et j'étais largement... j'ai sorti en fait largement moins d'argent que si j'avais configuré un Tracer 9 GT full sortie de concession 9-0 km. Tu vois. Là, on est sur une base, donc à 12 000. Et en termes d'options, j'ai rajouté 12, 13, 14, 15, 16. J'ai rajouté 4 000. L'Ignacra, 1000 balles. La peinture, elle m'a coûté 1200 avec le montage, démontage, le guidon, le montage, démontage des leviers de frein, garde-boue, platine, support de pied là, pour le passager en noir époxy. Tout ça, ça m'a coûté 1200 chez T-Max Lover. Et la personne qui m'a fait la peinture, c'est Holidays, je crois. Holidays en anglais, shop. Je vous mettrai de toute façon le Instagram. Dans la description, dans la bio, n'hésitez pas à les contacter. Franchement, ils ont fait du travail de fou. En plus, la peinture, elle a été réalisée en 2 semaines. Je leur ai déposé le traceur. Et 2 semaines après, j'ai pu récupérer la bécane. Donc franchement, c'était très, très, très rapide. Et puis, les chaussettes, donc c'était 5 €. On a eu aussi le teintage, etc. Le shifter, ça m'a coûté, ils me l'ont remisé. Donc ça m'a coûté même pas 90 € lors de l'achat de la bécane. Le support de plaque, ouais, ça m'a coûté un petit billet de... 150, 200, je sais plus. Les feux LED+, pareil, c'était un billet de 100 €. De toute façon, dans tous les cas, c'est des billets de 100 €, tu vois. Les leviers de frein, pareil, c'était un billet de 100. La bulle, c'était un billet de 100, etc. Et voilà. Donc, en vrai, on tourne aux alentours des 16 000 € configurés tel quel, tout en noir avec toutes les options, etc. Alors que si j'avais configuré ma bécane en 9 GT, donc tout en noir, jante noire, avec les écopes en noir brillant aussi, parce que sur la version 9 GT 2023 avec les jantes en or, cette partie-là, elle est en noir mat. Moi, j'aurais aimé qu'elle soit en noir brillant. Et les jantes aussi, elles étaient en or, donc je les aurais mis en noir brillant. Donc, si j'avais pris la 9 GT, en réalité, ça m'aurait coûté à peu près 18 000 €, je crois. Entre 18 et 19 000 €, ce qui était hors budget du coup, puisque moi, j'étais sur un budget de 14, 15, 16, tu vois. Donc vraiment, avec cette bécane-là, je m'y suis retrouvé dans mes comptes, frérot. Et vraiment, je suis satisfait. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour de la bête. Franchement, j'en suis très, très satisfait. Sur mes 700 ou 800 premiers kilomètres... Attendez, je vais vous rallumer le compteur. Sur mes 700 ou 800 premiers kilomètres, j'ai pas pu lui mettre dedans, malgré le fait que j'ai quand même essayé les différents modes. Donc là, on a le mode 4, c'est le mode nul. On a le mode 3, c'est le mode nul bis, nul de wish. On a le mode 2, là, ça commence à être sérieux. Et là, on a le mode 1, c'est la guerre. Je ne vous cache pas que j'ai déjà mis poignée dans l'angle sur le mode 1. C'est un truc de fou furieux. Et par contre, je n'ai pas essayé encore le mode... Ça, c'est le mode manuel, je crois. Mode manuel, on a 1 et 2, si je ne dis pas de bêtises. Attendez. Manuel, 1, 2. Et je n'ai même pas encore joué carrément avec les écrans. J'ai laissé comme ça. Là, vous avez la température d'huile, les tripes, les kilomètres. Ça, 28 degrés, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être le temps aux Bahamas. Neutre, donc on a 6 vitesses. Donc là, c'est voilà, les kilomètres heure, etc. La jauge d'essence, par contre, ça consomme de fou malade. C'est un truc de fou. Ce matin, j'ai tourné une vidéo. J'ai mis 20 balles. Là, il est 1 h du matin. Avant de venir ici, j'ai remis 20 balles. Donc là, c'est 40 € la journée. Ça consomme de fou. Je ne sais pas à combien de litres au 100 je suis, mais je dois tourner aux alentours des 5 ou 6 litres, hein, je pense. Hein. Comme le T-Max, en vrai. Donc voilà, les gars. Je pense avoir fait le tour.
Désolé si je suis un peu rapide, je ne vous cache pas que je suis un peu fatigué. Je vous ferai un essai plus tard, puisqu'elle est en rodage. J'ai la flemme de mettre poignée dans l'angle alors qu'elle est en rodage en vidéo, tu vois. Ce serait pas respectueux de ma part. Mais je vous ferai une vidéo dédiée sur l'essai de la bécane. Comme ça, vous pourrez entendre le bruit du shifter, etc. Dans une prochaine vidéo. Franchement, j'en suis hyper satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Regardez-moi ce cul, hein. Oh là là. Elle a un cul, c'est trop. C'est trop. On dirait une latina, frérot. Dinguerie, dinguerie. Je vais vous montrer un peu les clignotants. Tac. Incroyable. Ah oui, la plaque, c'est un petit détail. La plaque, je l'ai fait chez Lamal pour tous. Ça m'a coûté 20 euros, je crois. 25 euros avec le petit logo personnalisé. Petite police aussi personnalisée. 92i, SDM, bolide allemand. Voilà, tu connais, on est à la défense. Je vais vous faire écouter le bruit de la ligne à cran. On va leur faire écouter le bruit de la ligne. Ouais, comme ça, je démarre. Et on va leur faire écouter le bruit démoniaque, frérot. 3, 2, 1. C'est un truc de fou, mais je crois même en vidéo, on s'en rend pas compte. Il faut venir voir en vrai pour voir la dinguerie. Et encore là, c'est juste à l'arrêt, mais quand tu mets les coups de shifter là... Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la petite présentation de ma nouvelle moto. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les remerciements, T-Max Lover, aka Fojo Max, le garage spécial T-Max. Alors, ils sont spécialisés T-Max, Maxi Scooter. Moi, je leur ai ramené ma moto parce que voilà, j'ai bien sympathisé avec eux. Donc, si jamais vous avez des projets, même si vous avez une moto, si vous souhaitez faire une peinture complète, si vous souhaitez rajouter des équipements, enfin, ce que vous voulez, n'hésitez pas à les contacter. Donc, c'est Fojo Max sur Instagram. Je vous mets tout dans la description. Merci à Joe, merci à Flo et merci à Edouard. Et je ne sais pas si vous êtes que trois, mais en tout cas, merci à toute l'équipe d'avoir préparé la bécane. Merci aussi à Holidays, Holiday Shop sur Instagram. Donc, il se situe à Buc, dans le 78. Donc, n'hésitez pas aussi à les contacter si vous souhaitez faire une peinture. Eux, je sais qu'ils sont spécialisés Harley, donc Harley Davidson. Mais comme vous voyez, ils font aussi Tracer, ils font aussi des GS, ils font aussi des XSR, là, 900, 700, enfin, ils font tout. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller les voir. C'est rapide, voilà, ils vous font un devis et puis voilà. Merci aussi à Yam Paris 15. Yam Paris 15, j'ai acheté tous mes accessoires là-bas. Donc, merci à eux. Dédicace à Scrap, dédicace à Flo, dédicace à... Comment il s'appelle déjà? Le Rebeu. Ouais, le Rebeu. Morad. Dédicace à Morad, dédicace à toute l'équipe de Yam Paris 15. Dédicace aussi à Mathieu, le directeur, le PDG, frérot. Merci. Hein, je te jure, là c'est l'outro. Merci aussi à Tech de Roux. Voilà, n'hésitez pas à commander vos lignes d'échappement et d'autres accessoires aussi sur le site internet. C'est très 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 rapide quand c'est en stock. Et puis je crois que c'est tout, hein. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Pour les plus fidèles d'entre vous, là vous regardez la vidéo et en ce moment même, il y a une baraude. C'est-à-dire là, il y a une baraude, là. J'ai organisé une baraude le 7 mai. Et dites-moi dans les commentaires. Si jamais vous étiez présent à la baraude, dites-moi, j'étais là à la baraude. Comme ça, je vous mettrai un petit like et je saurai que vous étiez là. Et puis, je crois que c'est tout, hein, frérot. Qui d'autre a taffé sur le traceur, là? Yamaha Le Mans, dédicace à eux. Ils ont foutu le shifter, ils ont fait une petite remise sur le shifter. Voilà, le gars, il nous a vendu ça tranquillement. Il m'a vendu ça bien, tu vois, propre. Ce que je voulais dire aussi, c'est que là, je rentre dans le monde entre guillemets, du vrai deux roues. De la vraie moto, tu vois, en mode motard. Tous les motards, ils me font le signe. Ah ouais, genre, il n'y en a pas... Ouais, je te promets, il n'y en a pas un seul qui ne me fait pas le signe. C'est-à-dire, à chaque fois, je dois faire ça, mais c'est... Ça fait plaisir. Et tu sens qu'il y a une vraie... Communauté. Pas communauté, mais... Pas cohésion, ouais, je sais pas comment dire. Je suis fatigué, frère. Je suis KO. Mais il y a comme une sorte de... Il y a comme une sorte... Y a le même... On a tous le même état d'esprit, genre. Ouais, en mode motard, tu vois. On se fait le signe et tout, c'est... C'est bon enfant. Je
recevoir plus qu'en 2 ans en T-Max. En un jour, j'ai reçu une centaine de V, contrairement au T-Max, où j'ai reçu... j'ai reçu 3 PV, frérot. En T-Max, j'ai reçu 3 PV, alors qu'en moto, je reçois des V. Ah oui, je suis un ouf. La personne qui a posé la ligne, Replay, frérot, merci à toi. Ouais, Replay, ça a été une galère de monter la ligne parce qu'il fallait enlever tout ça, le radiateur, etc. On a mis 2 heures pour le faire. Enfin, il a mis 2 heures. Donc, merci à toi. Ça, c'est les mecs de l'ombre, les mecs qui répondent très rapidement. Donc, merci à toi encore, frérot. Et je crois que là, c'est bon. Là, je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous, les gars, d'avoir regardé la vidéo. J'espère que la présentation du bolide vous a satisfait. Désolé, je suis vraiment fatigué, je le redis encore. Donc, peut-être que j'ai dit un peu de dinguerie, je dis un peu n'importe quoi. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog de 1h30 où vous verrez toute la préparation de A à Z. Ouais, et dans 2 semaines après, une vidéo qui sortira sur mon T-Max. Il y a eu une petite galère, donc vous verrez ça. Et les présentations de vidéos continuent. Donc n'hésitez pas toujours à m'envoyer un message si jamais vous voulez passer votre bécane sur la chaîne. Vous m'envoyez une photo avec un petit descriptif. Moi, je vous donne mon planning et on bloque une date et on tourne la vidéo, etc. Sur Paris. Là, je suis sur Paris pour l'instant. Mais on est au mois de quoi ? Mois de mai, là. Mois de mai. Donc, juin, je serai encore sur Paris. Mais juillet, août, septembre, là, je crois que ça va faire Suisse. Pour de vrai. Hein. En mode, je vais faire Suisse, Genève, Lyon, juillet, août, Marseille, comme d'hab. Parce que je te promets, il y a tellement de monde en Suisse. Ouais, ah ouais. Je vois la vue dans les commentaires. Je te promets, il y a des grands T-Max turbo en Suisse. Hein. Des grands, des belles bécanes. Il y a même un Ducati Multistrada en Suisse. Que j'ai jamais filmé d'ailleurs. Oui, jamais filmé. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et là, je viens d'y penser. Il y a un petit défaut. J'ai la flemme de repasser derrière la caméra, mais quand vous braquez comme ça à fond, vous avez le pare-main qui touche la bulle en fait. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vas-y, ramène la caméra comme ça ils vont voir. En fait, regardez ici, quand vous braquez à fond, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, ça touche. Et du coup, regardez, à force, ça raye. C'est exactement la même chose de l'autre côté, venez voir. Tes mains. Écoutez, juste écoutez. T'as vu, ça touche. Donc voilà. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Merci au frérot qui me suit à 2h du matin. Voilà, on est ensemble. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et nous, on s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Ciao.